Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons jouer à WRC 1 sur PlayStation 2. Le premier, je crois, de la série, hein, parce que sorti sur Player est sorti après. Donc la licence officielle du World Rally Championship, vous l'aurez compris. Alors l'intro est super longue, hein, franchement, il y a le timer, du coup on peut voir combien ça dure, mais ça dure à peu près 2 minutes. Ce qui est plutôt pas mal, hein, pour une intro. Alors c'est le premier donc la série sur la PS2 en tout cas. Et ça devait justement concurrencer à l'époque Colin McRae. On a pas mal de modes de jeu, si vous voyez bien. On a le World Rally Championship, Rally Simple, contrôle la montre. On a un Challenge WRC, un mode de joueur. On va aller voir un petit peu les options. Alors, dans les options graphiques, donc on peut voir la carte. Alors, il en est hors de question. Cadran, on va le garder. Quart de temps, on va le garder. Écran large, ça sert à rien parce qu'on est en 4 tiers. Kilomètre, on va faire comme ça. En tout cas, le jeu nous met bien dans l'ambiance. Ça reprend typiquement en fait le HUD, l'interface qu'il y avait à l'époque quand on suivait le WRC. Cette interface qui aura duré pas mal d'années, hein, puisque même en 2002, 2003, 2004. Alors là, si je calcule bien, je pense que c'est la saison 2001. Puisque c'est en 2002. Que ça a changé au niveau de la Mitsubishi. Ouais, je pense que c'est 2001. Ouais, il y a encore la Subaru. Ah, c'est peut-être 2000 en fait. Non, lui, c'est plutôt 2001. Bon, on va voir. On peut aller le son, la manette. On va faire OK. Allez, on va faire un petit contrôle-la-montre pour débuter. On a donc évidemment licence oblige tous les rallyes de la saison. Sachant qu'il y en avait du coup 7-14, qui était plutôt pas mal. Alors, on va prendre par exemple... Allez, pourquoi pas le rallye de Corse pour commencer. On n'a qu'une épreuve disponible pour le moment, c'est Cutoli Perry. Donc c'est un petit peu comme dans Colin McRae Rally 2. On peut voir donc l'épreuve à quoi elle ressemble. Et donc voilà, les voitures disponibles. Alors je pense que oui, c'est 2001, au moins 2001 ou 2002, parce que... Au niveau de la livrée de la Peugeot, c'est pas celle de 2000 qui était toute grise, c'est pas celle de 99 hein, qui était bleue et blanche, et c'est plutôt dans celle de 2002, 2003 ou 2001. On a la Ford Focus WRC, on a la Subaru Impreza, la Lancer, et je ne pense pas que ce soit 2002 parce qu'il y a déjà la nouvelle Subaru, la nouvelle Mitsubishi à l'époque. On a la Hyundai Accent WRC aussi, la Skoda Octavia, et on a la Citroën Xara. Donc. La bonne époque, on va dire, le renouveau du WRC en tout cas, après celui du groupe B, qui a commencé à démarrer vers... 94 c'est une bonne saison, hein, mais je pense que ouais, c'est dans ces eaux-là, hein, 94-95, et le paroxysme en termes de constructeurs c'est 2000, 2001, 2002. Donc on a pas mal de choix. Je pense qu'on voulait qu'on prenne, on pourra pas prendre la Subaru parce que le jeu va cracher si on prend la Subaru, donc c'est pas la peine. On pourrait prendre une Skoda, allez, pour changer. Allez, donc la licence, Armin Schwarz et Bruno Thierry. Et Armin Schwarz qui a déjà gagné un rallye. On peut faire des réglages, donc on peut changer les rapports, le frein, la direction, les pneus, la suspension. On va laisser tout par défaut, hein, de toute façon. Le jeu apparemment s'adapte bien, il change les réglages par rapport à la course qu'on va faire. Enfin, les spéciales qu'on va faire. Allez, on attend que ça charge. Les chargements sont super longs, par contre, ça c'est un gros défaut. Petite présentation de la voiture. Avec la vue intérieure. Et nous sommes partis. Alors je vous laisse la vue arrière pour l'instant pour profiter un petit peu de la voiture qui est plutôt bien rendue. On est sur PS2, hein. À l'époque c'était quand même assez impressionnant quand vous voyez ce jeu. Je me souviens, il y avait la démo qui était fournie avec la console, il y avait WRC, il y avait Airblade je crois, il me semble, je crois que ça s'appelle comme ça. Et il y avait aussi Le Monde des Bleus 2002, il y avait cette démo là. Et je crois qu'on avait droit à utiliser la Ford Focus, il me semble, dans la démo. Alors au niveau du maniement, c'est plutôt correct, honnêtement, pour un début. J'ai pas trop été déboussolé par rapport à Colin McRae. C'est plutôt assez vif en termes
de maniement, enfin de gauche-droite, gauche-droite. Après, c'est les sons qui m'ont un peu moins plu. Ouais, les sons sont corrects, mais un peu bizarre. Il y a des sons extérieurs qu'on ressent plus que les sons intérieurs ou sons moteurs. C'est un peu bizarre. Vous allez dire, oui, c'est logique, on veut entendre plus les sons extérieurs que intérieurs vu qu'on est extérieur, mais je trouve qu'on entend plus par exemple le crissement des pneus que le moteur en lui-même. Alors, on a droit évidemment à plusieurs vues. Alors, ça c'est la deuxième vue proposée, je la trouve pas mal, parce que c'est une vue qu'on avait en caméra embarquée justement à l'époque, enfin, qu'on a toujours d'ailleurs, c'est une vue très très commune. Et on peut voir donc entre les deux en fait, on peut voir le pilote et on peut voir le copilote, et cette vue est vachement immersive. Concrètement, c'est peut-être une des meilleures vues du jeu. On a la vue évidemment à la place du pilote. Donc ça c'est la vue vraiment personnelle, hein, c'est pas une vue type télévision. Alors je précise que je rejoue à ce jeu, mais j'y ai joué qu'à la démo. Je n'ai pas joué à ce jeu avant, si ce n'est pour tester évidemment si le jeu fonctionnait. Et franchement, voilà, vous voyez, ça tourne assez vite gauche-droite, alors je sais pas où je vais aller là par contre. Je vous avoue que j'essaie plutôt de dire ce que j'ai envie de dire sans forcément écouter ce qu'il dit, parce que je parle par-dessus. Mais donc on a cette vue-là, on a cette vue donc très classique du capot, qui pour moi, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais pour moi c'est la meilleure, parce qu'en fait c'est la plus précise, on peut voir vraiment où on est sur la piste. Et puis sans être trop embêté par le fait qu'on n'est pas dans l'intérieur de l'habitacle. Alors vous allez voir que la voiture se salit, ça c'était bon, c'est comme dans Colin McRae, mais bon, c'est quand même pas mal fait. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait juste Colin McRae Rally 3 qui était en préparation. Je crois qu'il est sorti un tout petit peu avant ou en même temps, je suis pas sûr qu'il soit sorti après en tout cas Colin McRae Rally 3. Et ce jeu est plutôt pas mal, honnêtement il rend plutôt bien sur la console. Bon là évidemment ça a quand même pas mal vieilli. On a un petit mode replay, donc on peut changer la vue, vous allez voir. Ouais, on peut changer la vue, garder la vue un petit peu extérieure. On peut... En plus on a le nom des pilotes, ça c'est marrant. Voilà, ça c'est une vue un peu choisie. On peut maintenir la vue si on reste avec carré. Voilà, donc là je garde cette vue par exemple. On a la vue un petit peu extérieure. On a la vue évidemment hélicoptère. Pas mal. Alors toujours avec une petite musique de fond, ce qui est un petit peu dommage, c'est au niveau du son en fait. Je pense que la musique on va la baisser un petit peu, ce qui est un petit peu exagéré. On va faire accepter, on va faire continuer ralenti. Voilà, on a quoi comme vue? On a encore une vue là, on peut changer avec une vue hélicoptère un peu plus éloignée. On va faire start, voilà, et on va faire quitter l'épreuve, on va pas faire recommencer course. On peut mettre notre meilleur temps si on veut sur la spéciale. On va faire OK, mais on va sauvegarder, parce que c'est pas ce qu'on va faire, on va faire annuler. Retour au menu principal. Et je vous propose de tenter pourquoi pas un petit rallye simple. On va faire. Alors vous voyez qu'en rallye simple on a que 4 rallyes disponibles. On a que Monaco, la Suède, le Portugal et l'Espagne. Alors je vous propose de faire un pays qui va changer un petit peu au niveau des décors, donc par exemple on va prendre la Suède. Et on a le niveau de difficulté, donc novice, normal ou professionnel. Et là, on a que le novice normal. Le professionnel, t'as débloqué un peu plus tard. Alors, on va prendre. Alors, ce qui est marrant aussi, enfin, ce qui est plutôt bien fait, c'est que vous avez vu, on va changer de voiture, mais on a aussi le fond avec la vidéo qui change par rapport à la voiture qu'on sélectionne. Donc, ça, c'est plutôt une bonne idée aussi. Mais écoute, on va prendre une Peugeot 206, allez, c'est parti. Avec Gilles Panizzi et Didier Auriol. Harry Rovenpera, oui, je me disais bien, il n'y a pas que lui et Marcus Grenoble. Il y a plusieurs voitures engagées. Et Marcus Grosdome qui était le tenant du titre à ce moment-là, parce qu'il a remporté le championnat 2000. Bon, on va prendre Marcus Grosdome. Et la vidéo, comme à l'époque, hein, c'était exactement pareil. La Suède est certes le pays du soleil de minuit, mais les températures peuvent descendre jusqu'à moins 20. C'est l'étape suivante du championnat du monde des rallyes. Les conditions dans les forêts scandinaves sont telles que les voitures doivent être équipées de pneus cloutés pour affronter les couches de neige et de verglas recouvrant les graviers. C'est le circuit le plus froid de tous, mais la compétition est toujours enflammée. Alors
Allez, on va faire continuer. Donc c'est pas mal, une petite vidéo de présentation avec les vraies images du jeu. Comme je vous dis, ils ont vraiment profité du fait que qu'ils avaient la licence, quoi. Et autant en profiter un maximum, surtout que beaucoup de jeux de rallye à l'époque avec certaines parties en fait de licence, dans le sens où ils utilisaient certaines voitures, certains noms de pilotes, mais pas tout en même temps. Alors que là, on a vraiment tout. Là, on a l'épreuve 1 de Ramen, donc attention de ne pas confondre avec les pattes. On a le rapport court, on va laisser par défaut, je pense que le jeu quand même nous donne une base plutôt saine. On a un shakedown si on veut, on peut faire deux restants ou commencer la course directement. Enfin commencer la course, de toute façon c'est pour tester le mode rallye. J'espère qu'on n'aura pas de problème de chargement infini, ça serait vraiment dommage. Au pire je rechargerai le jeu mais ça m'embêterait un petit peu. Juste qu'il y a un loop quand on utilise la Subaru, mais je pense qu'avec ce modèle que j'ai choisi c'est bon. Alors vous avez la voiture fait un petit peu d'un recul à l'arrière et je pense qu'en fait c'est pour nous obliger à appuyer sur le bouton, sur le frein avant de démarrer. Et là ce qui va m'intéresser, évidemment parce qu'on est sur la neige, alors vous voyez que les pneus, alors ça c'est un petit détail plutôt sympa, regardez la taille des pneus, enfin, je veux dire la largeur des pneus, et bien regardez, elle est toute petite. Et ça c'est un détail sur lequel on n'a pas d'encolé malgré, par exemple quand vous jouez... Par exemple sur la neige, ce Grand Prix, le rallye de Suède, il faut que j'arrête de dire Grand Prix, hein. Formation à chaque fois de la F1. Et ben là on a les roues un petit peu galettes, ce qui est logique hein, de toute façon pour les pistes enneigées. Vous voyez ça glisse pas mal. Alors il y a une gestion des dégâts, alors par contre c'est vrai que là au niveau des arbres c'est complètement dégueulasse. Mais on a une gestion des dommages dans ce jeu bien entendu. Là j'ai pas tapé grand chose donc pour le moment on le voit pas. Allez, je vais laisser profiter un petit peu du jeu avec cette vue embarquée plutôt très réaliste. On est arrivé, vous avez vu, il a fait tomber la vitesse et on a un petit peu cassé l'avant de la voiture. Donc les dommages plutôt bien faits quand même, hein, même si bon, ils ont l'air d'être assez permissifs, en tout cas en mode moyen. On va faire continuer le rallye directement. Alors chose sur laquelle je voulais aussi parler par rapport à cette série de WRC. Le 1, pour moi en tout cas, de ce qu'on teste là, je précise, hein, comme je dis, j'ai très peu joué. Je trouve pas mal, mais ce que j'ai cru comprendre en fait au fur et à mesure, c'est que les WRC se sont améliorés à partir du 2. Mais après, le 3, le 4, le 5 ont vraiment perdu complètement la bataille en fait contre les Colin McRae 4, 2005, voire les Dirt après. Et ils sont revenus un peu plus tard, et je sais pas ce que vaut un WRC actuellement. Mais si on le compare à un Dirt Rally, de ce que j'ai compris, Dirt Rally est vraiment, vraiment au-dessus. Et on va faire continuer. Et du coup, on a le deuxième temps. C'est que j'ai même pas fait gaffe le temps qu'on a fait. Et c'est Carl Sainz qui a fait le meilleur temps. Tim Häkkinen, Richard Burns. Voilà. C'est ça ce qui me manque. Hein. C'est vraiment. C'est comme en F1 avec le nombre d'écuries. Bah, en rallye, c'est pareil. C'est le nombre de constructeurs. Il commence à y en avoir pas mal. Hein. On a Hyundai, on a Toyota. On a un peu Ford de certaine manière. Mais bon, c'est indépendant. On a Citroën qui revient. C'est en train de reprendre. Donc c'est plutôt cool. Mais voilà, ça manque un petit peu cette période. Et ce qui manque surtout, c'est le retour des japonaises, hein, vous le savez, donc des Subaru, des Mitsubishi. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais revoir en WRC. On va regarder ça. Et on va faire commencer la course directement. Alors c'est un jeu sur lequel j'ai eu beaucoup de mal à vous faire une vidéo il y a quelques temps, ça fait longtemps que j'ai envie de vous faire des vidéos sur WRC, mais comme il y a pas mal de bugs, on va dire en émulation, bah c'est très compliqué. Donc là je suis plutôt content que ça marche, je croise les doigts pour que ça marche jusqu'au bout. Alors on n'a pas de vue arrière, en tout cas j'ai essayé, je n'ai pas trouvé.
C'est un petit peu dommage à chaque fois de le fait de ne pas les avoir mises. Alors évidemment, on peut tourner avec le joystick hein, si je veux. Voilà, je le fais par exemple. Mais comme moi, je suis quelqu'un qui, on va dire, resté à la croix directionnelle, c'est un truc de fou quand même, parce que c'est pas du tout. Waouh, on se retrouve à l'extérieur du circuit. C'est pas du tout la bonne manière de rouler. Hein. Le fait d'avoir un joystick, on est beaucoup plus précis dans notre prise de virage, puisque le volant a plus de cran d'ouverture. Je sais pas comment expliquer exactement, mais en gros, on est plus précis au volant qu'avec la croix directionnelle où c'est on-off, on-off. Et puis on a plus loin, plus longtemps, plus ça tourne. Mais je sais pas, c'est une habitude que j'ai gardée. Alors là, on a tapé, je vais voir si y a quelques dégâts. Non, y'a rien. Ah, ça a dû embarquer, elle est quand même vraiment bien. Je garde cette vue à chaque fois, mais la vue embarquée est cool. Oui, le premier secteur a été exécrable. Alors ça glisse pas mal, hein, mais ça glisse pas assez à mon goût. Je trouve que la voiture reste bien trop vive pour un... Bah, pour ce type de revêtement. Wow. Et on est parti complètement à l'extérieur. Je pense que je vais encore perdre du temps. Et on est en tête hein, pour 3 secondes pour le moment devant Sainz. Alors évidemment, boîte très courte, hein, c'est pour ça qu'on est déjà en 6ème, parce que sous la neige, ce qui compte c'est l'accélération. On a beaucoup de reprises de vitesse de bas. Oh là là, j'ai failli me louper. Et ben voilà. On s'est mis sur le toit. Le jeu va nous remettre sur le tracé. Et je pense que du coup, ben là, on est derrière. Voilà. On a 2 secondes. Alors je vous ai pas trop parlé de l'interface, mais effectivement en bas, si vous regardez bien, vous avez donc des éléments mécaniques. Vous avez par exemple le volant, vous avez la boîte de vitesse, vous avez l'huile. Vous avez la suspension et vous avez la chauffe, bah, j'ai l'impression que ça chauffe moteur. Donc c'est différents paramètres que vous allez impacter suivant comment vous pilotez. Hein. C'est-à-dire que si vous plantez, bah, vous allez casser peut-être divers éléments. Ce qui va rendre la chose un peu plus compliquée pour la suite de la spéciale. Alors vous remarquez que j'ai des dégâts. Mais, je suis en train de m'en rendre compte. Donc là, on a fait l'épreuve 2, donc on a fini 4 secondes de... 2 secondes de Sainz, du coup. Enfin, 4 secondes, donc on a 7 secondes de Carlos Sainz. Mais, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de réparation. On va faire la course directement. On n'a pas besoin de réparer la voiture, c'est-à-dire qu'en gros, si on fait une spéciale et qu'on se loupe complètement ou qu'on détruit la voiture, si on passe à la deuxième spéciale, la voiture va être complètement réparée. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors, on va voir si c'est en mode World Championship, c'est pareil ou pas. Et on va découvrir la troisième spéciale du rallye de Suède. Alors, manquer qu'il n'y a pas d'ombre sous la voiture. Je pense que c'est pas un choix du jeu, c'est peut-être l'émulation qui crée ce petit bug. Alors, je veux pas être mauvaise langue, mais je pense que c'est ça. Vous voyez, cette vue est pas mal normalement, de manière logique c'est la plus facile. Mais la caméra a tendance en fait à s'incliner, enfin de pas bouger en fait dans le virage. Et du coup regardez là quand on tourne ça va, mais si le virage est encore plus serré, on est complètement en aveugle à la sortie, on sait pas du tout où on doit tourner. Et vous remarquerez que là, c'est inversé, c'est-à-dire que c'est comme Colin McRae 1. Ils n'ont pas mis, par exemple, les virages serrés avec des chiffres 1, 2 ou 3. Ils ont fait l'inverse, ils ont mis les plus gros chiffres pour les virages les plus prononcés. C'est un petit détail, mais si vous avez joué à Colin McRae 2 après avoir fait le 1, le 3, etc., quand vous revenez dessus, vous allez entendre, par exemple... Virage 3, virage 4 ou virage 5, vous allez vous dire bon c'est un virage léger, mais en fait pas du tout, non, c'est une grosse épingle. Alors, des effets de lumière voilà avec le soleil qui sont un peu bizarres, bon c'est plutôt bien rendu mais
On va dire que ça aurait pu être un petit peu mieux fait. Oh, j'essaie d'en mettre la vue, mais c'est pas évident. Oh là, on s'est retrouvé complètement à l'autre bord. Donc là, il y a une petite épingle droite qu'on va essayer de prendre correctement. Ouais, même ça, j'ai pas réussi. On s'est embourbé complètement. Alors je sais pas s'il y a une vraie différence entre les voitures que l'on choisit, par exemple si je prends une Skoda ou une Hyundai, est-ce que je vais être plus lent qu'une Ford, une Subaru? J'espère que oui, d'une certaine manière, parce que ça permettra d'avoir, on va dire, un peu un mode carrière ou une difficulté supplémentaire si vous arrivez à gagner par exemple avec une voiture. En 2001-2002, c'était de toute façon les Peugeot les plus rapides, hein. Après on avait Subaru, on avait Ford qui était pas trop mal aussi. Mitsubishi qui s'en sortait à peu près. Par contre derrière, bah, effectivement, on avait on a Citroën qui commençait à émerger, mais c'était pas encore les bonnes années. Ça allait venir juste après. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que les Hyundai et les Skoda, c'était les dernières. Même si Hyundai a réussi parfois à faire quelques résultats, mais c'était vraiment léger. Mais par exemple, on freine trop bien, je trouve. On est pourtant sur la neige. Alors certes, j'imagine que c'est les pneus coûtés, mais bon. Petit saut. Ouais. Et on est en avance, attention. 2 secondes sur Sainz. Ah non, même plus, on a 12 secondes sur Sainz. On va peut-être réussir une bonne spéciale cette fois-ci. Alors faut regarder dans les sauts, vous aurez compris, c'est que si on le prend un peu mal, on va se retrouver complètement de l'autre côté. Il y a un virage à gauche, voilà, on va essayer de freiner. Alors je trouve pas le jeu spécialement difficile, enfin en tout cas le maniement très difficile. Les spéciales sont plutôt larges, je trouve, au niveau des routes. Alors peut-être qu'évidemment ça change suivant les pays, mais pour le moment je trouve ça assez large quand même. Du coup, je vois pas trop de difficultés. Bon, dit le mec qui s'est retrouvé deuxième à la première spéciale, deuxième spéciale, mais je sais pas. Je pense, par exemple, vers Rally 3, pour moi, quand j'ai commencé vers Rally 3, j'avais vraiment une énorme difficulté à appréhender le jeu. Alors, certes, c'était des savoies honnêtes, mais et le côté ultra compliqué du moindre effleurement de la voiture sur un décor qui cassait la voiture quasiment. Alors que là, bon, on peut taper un petit peu, ça perd de faire grand chose. Et surtout, les spéciales sont super larges, quoi. Alors, c'est typiquement le jeu que j'aurais aimé avoir à sa sortie, hein, parce que j'aimais beaucoup Colin McRae Rally 2. Et je me suis dit, c'est dommage de pas avoir ce jeu. Mais bon, il y avait Colin McRae Rally 3 qui allait sortir après, et du coup, bon bah, de l'un dans l'autre, bon, c'était pas trop grave, il y avait quand même le concurrent. On va faire continuer Rally, histoire de voir un peu quelle est notre position. Mais je pense qu'on va faire un mode World Championship en fait, je sais pas si on va terminer l'épreuve. Alors, on va voir quand même le classement. On a, 16, on a gagné 16 secondes cette spéciale, et du coup, sur la Suède, on est. On est passé premier. Épreuve 4. Bon, on va faire l'épreuve 4, mais je sais pas combien d'épreuves il y a. Je crois qu'il y en a au moins 5 ou 6. Et je pense que le mode professionnel doit avoir des spéciales plus longues. Enfin, dans le sens où. Pas plus longues, mais on en fait plus par rallye. En plus de la difficulté de l'IA qui doit être plus élevée. Alors je vais vous laisser tranquillement profiter de cette petite spéciale, je vais pas trop parler.
dans long 4, droite. 50 sur crête. Dans 5, gauche. 50 sur crête. Trois droite. Dans un gauche et un droite. 50, épingle gauche. Alors je sais pas vous, mais un truc que je trouve assez étrange dans le cockpit de la Peugeot. Je sais pas si vous savez, vous voyez de quoi je parlais. Regardez le cockpit en à gauche, donc là où est le pilote. On a le donc bon, évidemment le volant, hein, d'accord, avec certains boutons. On a la console centrale et à droite, ce que je trouve un peu bizarre, c'est pourquoi dans la partie copilote on a le régime moteur. Alors j'ai jamais fait gaffe, peut-être que c'est vraiment normal, c'est peut-être exactement pareil en vrai. Mais alors si on peut m'expliquer l'intérêt, je veux bien. À part peut-être pour le copilote voir dans quel rapport lors du premier passage, enfin l'ouverture en fait, pour créer les notes sur la piste, sur la. Oula, j'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui, c'est incroyable. On va la refaire. On va la refaire. En gros, quand le copilote, quand ils font leur premier passage, quand ils font les notes pour la spéciale, peut-être que ça lui permet de voir à peu près dans quel régime passer et quelle vitesse est le pilote pour après lui dire bon bah là il vaut mieux que tu passes en 3 ou en 4. Et du coup peut-être qu'il peut voir lui peut-être que c'est plus profitable en fait pour le copilote de voir le régime moteur que le pilote directement. Je sais pas, c'est une question que je me pose. Alors si vous avez une réponse, je suis preneur. En tout cas c'est. Je le remarque là sur la Peugeot, je sais pas si c'est pareil sur toutes les voitures. Quel beau freinage. Alors on n'a pas fini premier je crois. Je sais que j'ai pas fait gaffe. On va faire continuer le rallye. Bon, j'ai quand même envie de finir le rallye pour voir ce qui se passe quand on termine un rallye en tête. Hein. Donc on va faire continuer. Et on a gagné. Oh, on a fait encore mieux encore, 9 secondes. Et du coup on est en tête pour 18 secondes devant Carlos Sainz, Tommy Mäkinen, Thomas Restrum sur la Citroën pardon. Et Kenneth Eriksson, ah, c'est assez particulier comme résultat pour le moment, le top 6 là. Allez, épreuve 5 à Mangen. Et on va commencer la course. Ouais, concrètement, mode normal sur un mode rallye sur un jeu sur lequel je débute, je devrais pas pouvoir m'en trouver en tête. De base, c'est pas normal. Enfin, c'est un truc, par exemple, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, une petite spéciale de nuit, ça c'est cool. On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. De gauche serré. Alors, attendez. Hein. On va voir la vue un peu embarquée. Ah, c'est vraiment au crépuscule. Bon, en même temps, on est en Suède, donc pour peu que ce soit un petit peu le nord de la Suède. C'est un petit peu le... Comment dire? Alors c'est vrai que le rallye de Suède est plutôt en début d'année. Donc ce que je veux dire est une énorme bêtise. Mais on dirait un petit peu les... La fin de journée ou début de journée dans les pays du cercle polaire. Enfin pas loin du cercle polaire. Bon, vous voyez par exemple on est dans la nuit, mais le décor on le voit quand même vachement bien, hein. Je sais pas si vous vous souvenez sur... Je comparais souvent à Colin McRae, mais concrètement sur Colin McRae on voyait encore moins que ça. Et on voit... Ouh! Ouh là là, regardez! Oh, j'ai tapé, on a tout perdu d'un coup, hein. Regardez les éléments qui sont allumés en rouge. Ah, je disais que c'était assez permissif, mais en fait, j'ai complètement dit de la merde. C'est vraiment... Ah ouais, ouais, alors là... Oh, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Je peux encore tourner, hein, ça marche, mais alors... la voiture, elle penche légèrement. Et vous remarquerez que... Ah, en plus, il a allumé les warnings. Ça, c'est réaliste, parce qu'effectivement, ils font ça en rallye. Quand la voiture, elle est endommagée, hein, pour les pilotes qui sont... Qui sont en train de faire la spéciale en même temps, hein, puisque les pilotes partent un petit peu après les autres. C'est un petit peu chacun leur tour.
Ah bah là par contre, là je veux bien, mais la voiture elle avance plus du tout. J'ai pété donc la direction, la boîte de vitesse, la suspension et le moteur est en surchauffe. Je sais pas si ça va tenir hein, par contre. Ah c'est fou hein, parce qu'on a tapé juste le côté gauche et d'un coup la voiture a tout perdu. Bon en tout cas ça me permet de prendre des virages tranquillement, ça c'est la seule bonne nouvelle. Bon, par contre je peux pas faire un temps... Ouais j'allais dire je peux pas faire un temps en vert, c'est pas possible. J'ai 6 secondes d'avance sur Sainz toujours. Si on finit la spéciale par exemple là, en tête de la spéciale, je suis désolé mais ça voudra dire que le mode normal c'est le mode facile. J'ai l'impression qu'on est en train de fumer en plus au niveau du moteur. Oh là là là, c'est un scandale. Alors on est presque à la fin de la spéciale. Ah ouais, non, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Vous voyez là, comme j'ai dit, typiquement, il y a un problème de difficulté, parce qu'en mode moyen, c'est pas possible. On peut pas péter la voiture au début de la spéciale, et juste après se retrouver à quand même terminer la spéciale en tête, c'est pas possible. Vraiment, vraiment, ça c'est vraiment... c'est un truc qui me chagrine un peu. Alors après, vous allez peut-être me dire, pour ceux qui l'ont fini, ouais, mais là, bon, t'es en mode rallye tout court, donc c'est normal, si tu fais en mode ultra dur, tu vas voir, ça pète la même. Peut-être, hein. Peut-être. Mais en attendant, bon. Je l'aurais mis en mode facile plutôt. Allez, Marcus Grosjean, ben voilà, on a gagné 10 points. Oui! Allez, on va faire le mode World Rally Championship. Bienvenue sur l'un des sports automobiles de compétition le plus exigeant et stimulant de la planète, le championnat du monde des rallyes. Choisissez les meilleurs pilotes du monde. Ajoutez-y les voitures les plus incroyables. Sur un lit de tarmac, gravier et boue, ne vous souciez pas de la ligne d'arrivée, votre plus grand rival en course WRC est le temps. Chaque rallye est divisé en épreuves spéciales avec des points au meilleur temps chronométré sur l'ensemble de la course. Les voitures portent le même nom que leur famille de moteurs. Mais sous le capot se cachent des bolides conçus pour les rallyes sur quatre roues motrices avec des turbos gonflés et des chevaux par dizaines. Et c'est bien le minimum pour aborder toutes les facettes du championnat, entre les grands froids des forêts scandinaves et la poussière, sous la chaleur écrasante du Kenya et de la Grèce. En WRC, la question n'est pas de gagner, mais de survivre. Bon, bah on va mettre en normal. On va prendre... qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme voiture? Hyundai Accent, Octavia, Xara... Ford Focus... Donc, vous savez quoi? Je sais pas quoi prendre. Je sais pas quoi prendre. Allez, je vais prendre une voiture pourrie. On va voir. Alors, oh, ce qui est étonnant, alors, Kenneth Ericsson, je me souviens, c'est un pilote que j'aime bien d'ailleurs. Par contre, Alistair McRae, oui, je m'en souviens aussi. Et Pierre Ouliati, il avait fini chez Hyundai alors qu'il était chez Subaru à un moment. Victoire en rallye. Ah ouais, il a déjà 39 ans quoi. 162 points en WRC, ce qui est plutôt pas mal, on va dire. On va prendre Pierre Ouliati, tiens. C'est parti. De rallye aussi prestigieux et glamour que celui de Monte Carlo, et c'est ici que le championnat du monde des rallyes commence. Il commence à Monaco, puis prend la direction du nord sur des routes alpines avant de redescendre sur la principauté. Il se déroule entièrement sur asphalte, mais la neige et le verglas réservent toujours des surprises. La plus vieille course dans le calendrier du championnat, c'est celle que toutes les meilleures équipes veulent remporter. Allez, continuez. Donc, première étape à Saint-Pierre-en-Trevaux. Donc, comme il y a les licences, j'imagine que ce sont des vrais spéciales. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment refait les spéciales
Est-ce qu'ils ont juste pris le nom et fait une spéciale random ou est-ce qu'ils ont vraiment fait une spéciale qui reprend le tracé exact? Je pense que la deuxième solution est la bonne. On va faire commencer la course directement. Je me souviens bien, en 2001, c'était Mäkinen qui avait gagné le... Mäkinen qui avait gagné le Rallye de Monaco. De souvenirs. Bon début pour Mitsubishi d'ailleurs, et qui finalement n'avait pas remporté quoi que ce soit. C'est comme en 2000 hein, d'ailleurs. Mäkinen qui était assez fort d'ailleurs sur cette tracée. Enfin sur cette... sur ces spéciales à Monaco. Allez, c'est parti! Alors je vais mettre une vue un peu comme ça, voilà, quand on a un effet de vitesse. On a un hélicoptère qui nous suit, ça c'est un petit détail que j'aime bien à chaque fois dans les jeux. Pour se sentir un peu moins seul. Oula, complètement loupé. Bon, pour l'instant, ça se présente pas mal. Alors, c'est certain que si... C'est facile de faire des temps devant. Voilà, on a 7 secondes déjà d'avance sur le deuxième. Si le moindre choc explose la voiture, là, ça va pas être la même. Ça rend le jeu un peu plus compliqué. Mais bon, vous avez vu, hein, même avec une voiture défoncée, c'est quand même passé. Donc, je sais pas. À voir. Ah, on a fait un spécial en, la spéciale était en rouge, enfin le secteur était en rouge. Attention au poteau. Eh, on a fini qu'à 4 secondes d'avance, mais on a quand même fini premier. Devant donc Mäkinen cette fois-ci. Allez, on va faire start, on va faire continuer. Sinon, que dire de plus sur le jeu? Bah écoutez, ça reste quand même un bon jeu, hein, quoi qu'il en soit, voilà, on va pas avoir non plus que des qualités. Les graphismes sont corrects, sont pas mal hein, pour l'époque. Le son, bon, j'ai un petit peu plus de mal avec le son, effectivement. Après, je vous dis, il y a les licences, il y a les voitures, il y a les spéciales, il y a les tracés. À l'époque, que demander de plus, hein, concrètement? Le maniement est bon, je trouve plutôt correct, franchement. Certes, c'est un maniement qui a pas mal vieilli, hein, par contre, mais bon. On va dire que pour l'époque, ça se tenait. Allez, on va faire la deuxième spéciale. Merci, merci! Applaudissements et tout. Ouais, gros, vas-y! Alors c'est quelque chose que j'aime pas trop en revanche, c'est la luminosité dans ce jeu. C'est d'un sombre. Alors je veux bien que ce soit bon, qu'il fasse pas spécialement beau, mais là regardez, on est quoi? On est... Ouais bon, il y a du brouillard effectivement, donc je peux pas vous dire qu'il fait beau. Mais quand même c'est assez triste quoi, je trouve, comme visuellement. On a l'impression d'être en début de journée, genre à... À 6h du matin, le soleil est encore limite à l'aurore, quoi. Alors, je vais changer de vue pour voir s'il y a eu quelques dommages. Voilà, il y en a un petit peu. C'est vraiment léger. Oula, ça descend fort.
Il y en a pas mal, ce tronçon est cool, j'aime bien. Ça descend tellement fort que c'est assez sympa visuellement. Ouh, attention. Allez, j'ai remarqué aussi un truc, c'est que quand vous prenez un petit peu le bas-côté, la suspension réagit assez vite, ce qui est logique. Ah voilà, il fait un peu plus beau déjà, ça c'est bien. Par contre, il y a un effet de flou, voilà, c'est surtout ça que je voulais parler. Il y a, voilà, donc l'effet de lumière qui est un petit peu dommage, là, c'est pas très clair, je trouve, c'est un peu flou. C'est un petit peu dommage, voilà, il y a un effet de flou ambiant, derrière du blur, c'est... Ah, c'est légèrement désagréable quand même. Bon, c'est pas... Là, la lumière, c'est pas mal. Ah, ben voilà, enfin, il fait beau. Voilà, là, ça me fait plaisir, c'est un peu plus beau. Ah, je commence à me demander, est-ce qu'il allait avoir des spéciales où il fait beau dans ce jeu. Alors on est arrivé, oh, ils ont pilé, on s'est carrément pris le mur à la fin. Et les freins sont montés au rouge, détail plutôt sympa. Allez, on va faire continuer le championnat. Je pense qu'on va faire une petite troisième spéciale et on se quittera là-dessus. Ouais, 2 secondes d'avance. On a 11 secondes de Carl Sainz encore, décidément. Et là, l'épreuve toire donc à Roquestéron. Je suis en train de chercher, mais... Si les Alpes sont là, Roquestéron est là. C'est au bord de la mer, là. Bon, on va voir. On va laisser ça par défaut, on va faire continuer. Alors je m'étais fait striker la vidéo de WRC Arcade, je suis en train d'y penser. J'espère que ça va pas être le cas pour celle-ci, au niveau des musiques, mais je pense qu'il y a de grandes chances effectivement, et j'espère que ça sera pas le cas. Alors après, si vraiment il faut squeezer la musique, bah bon, bah malheureusement pour vous, ça sera fait à l'intro, parce que j'imagine que c'est là. Sinon, ça sera un petit peu dommage. Alors on est au bord, effectivement, de quelque chose. Jusque-là, ça se tient. Mais alors, au bord de quoi? Bon, au moins pour le moment c'est à fond. On dirait du slalom. Allez, là pour l'instant ça passe. À 4, il va commencer à tourner. Voilà, parfait. Allez, là je vais te freiner complètement. Bah, ça fait une spéciale plutôt courte. Avec. On a perdu une seconde à la fin, mais on a quand même fini premier, donc c'est plutôt pas mal. Allez, bon, on va finir sur cette vue là. On va faire donc la vue. La vue. Ouais, j'ai envie de dire la vue. La vue hélicoptère pour moi c'est la mieux, mais. Ouais, on va laisser comme ça, elle est pas mal. Voilà, bah écoutez, c'était donc WRC, le tout premier du nom sur la PlayStation 2. Donc, bah je vous l'ai dit, un jeu plutôt bien, y a rien à dire, hein, c'est un jeu très correct. Je crois que, je sais pas à l'époque quelle note il avait, mais il me semble qu'il avait genre 15 ou 15 ou 16, il était plutôt bien noté. Même si tout le monde, je crois, attendait Colin McRae Rally 3, il me semble. Voilà.
Donc écoutez, je vous laisse sur ces magnifiques images d'hélicoptère sur le rallye de Monte Carlo et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!